Décembre, plus que 4 jours. Mais quand vous regardez, plus que 3 jours. Il est 11h15. Hier, comme on s'est couché tard, on s'est réveillé tard, vers 10h. Ouais, un peu. Un peu avant 10h. Ce dimanche, quoi, on profite. Ouais, on profite un peu. Du coup, aujourd'hui, bah, pas grand-chose de prévu. Non, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On voulait faire un peu de cuisine, mais on n'a pas les ustensiles pour. Du coup, ce sera pour le prochain vlog, demain ou après-demain. Ou un autre vlog, on verra. Moi, en tout cas, j'ai encore un cadeau à faire, je pense. Oui. Je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Oui. On va aussi, je pense, faire une photo. Enfin, des photos pour Instagram. Une petite photo spéciale Noël. Oui. Comme on est dimanche, et on aime bien poster le dimanche. Pour ceux de celles qui nous suivent sur Instagram, vous avez certainement déjà dû voir la photo si on est sorti. Ok, et ben c'est parti pour une nouvelle journée. Let's go. Alors, le vin, chérie. Le vin. Y a pas de vin, y a que du whisky. Waouh. Wow. Le grand gourus. Thé noir, arôme citron caviar et huiles essentielles de bergamote, écorce de bergamote, vodka, pétales de fleurs. Je plaisante pour la vodka. Alors, le vin. Il est gros. Oh là là. Savon aux feuilles de verveine. Trop bien. Ah, ça va sentir trop bon ça. Trop cool. Quelle heure est-il, madame tranquille? Il est midi 36. Matinée tranquille. Le début de journée en douceur. Il fait beau dehors, en plus ça donne envie d'aller marcher. Peut-être qu'on ira marcher quand même aujourd'hui. Ouais, tout à l'heure. Moi, je vais aller faire mon petit tour de vélo. On a avancé un peu le vlog ce matin, tranquillement. On vient d'apprendre que peut-être qu'on n'irait pas faire Noël comme prévu, donc... C'est vrai que là, on est un peu dans le flou, du coup. On attend des nouvelles de nos familles. On va voir, on attend. Enfin, on ne sait pas ce qu'on fait. Ça va être prochain jour, ça va se décider. Déjà, on verra demain ce qu'il en est. Oui, et puis on avisera à partir de ce moment-là. Exactement. Peut-être que vous aurez des vlogmas plus longtemps que prévu. Le principal, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Exactement. Donc, bon, tu vas faire ton vélo? Ouais, mon petit tour de vélo. Je pense que je vais quand même regarder les cadeaux. Ok, et ben c'est parti. Let's go! Il est 14h, et voilà. Moi, j'ai fait un bon petit tour de vélo. En plus, il est super beau, ça fait trop du bien. Ma petite chérie, je suis en jour 1. Voilà. Du coup, mal au ventre, je suis couchée. Fatiguée. Oui. Du coup, moi, je vais faire à manger. Et on s'est dit peut-être qu'on avait prévu une petite journée cocooning, journée spa, avant les fêtes. Prendre soin de soi. Exactement. Peut-être qu'on va le faire aujourd'hui. Ouais, et puis on ira peut-être marcher, ça nous fera peut-être du bien. Ce qui fait vraiment très beau. C'est parti pour la cuisine. Ma chérie, tu ne bouges pas, je m'occupe de tout. Mais tu es trop mignonne. C'est normal. C'est bon? C'est succulent. Oh. Merci beaucoup. Ça va te faire du bien? Oui, merci mon amour. Toi aussi tu te régales? Ouais. Ça fait du bien de manger? Presque fini. On est parti sur Jumanji. Ah ouais, ça passe à la télé là. Qu'est-ce qu'on aime ce genre de film, film des années 90. Trop bien, surtout avec lui. Robbie Williams, franchement, c'est... Ça nous rappelle toute notre enfance. Trop bien. Du coup, ben, go Jumanji. Update.
suite. Il est 17h40. On a finalement traîné comme un dimanche sur le canapé. Voilà, vraiment 100% dimanche. T'as fait un petit peu tes ongles et puis sinon on est resté collé serré sous la couette. Oui. Parce qu'il est un petit peu froid quand même. Là du coup... Il faisait super beau aujourd'hui parce que maintenant il fait nuit, on va aller faire une petite promenade. Il y a des petits oiseaux de nuit, on aime bien exactement sortir la nuit. On va poster 2-3 mood diary. On en profite pour aller marcher. Ça va nous faire du bien. Il fait bon, enfin il fait frais mais il fait bon. Ça va rappeler Norvège. Ouais, et la lune est juste magnifique, donc c'est parti, c'est... on va se promener. Let's go! Bon, l'avantage de marcher de nuit... Y a personne. Y a personne, et on découvre en fait des rues de notre ville. Il doit être, je sais pas, 18h ressenti, 1h30 du matin, je pense. Y a aucun bruit, aucune voiture, on est dans des toutes petites rues, mais c'est chouette. Bah oui. Paris, c'est pas forcément bruyant. Quelle heure est-il ? 18h42. On a fait une heure de marche finalement. Ouais. On s'est chauffé, j'ai eu ma grand-mère au téléphone. Et puis on a bien marché. Divagué dans les rues. Il y a pratiquement 5 km donc. Ouais, super bas. C'était chouette. Là, il faut qu'on prépare la soupe, mais avant ça, petite séance photo parce qu'on voulait poster une photo ce soir. En mode un peu Noël. Voilà, ambiance Noël. On va vite se préparer parce qu'on aimerait bien la faire avant 7h. Ouais. Bah c'est parti, vous allez voir comment on se prépare pour une séance photo parce que là, ça laisse à désirer. Ouais, c'est clair. C'est plutôt le Grinch que le Père Noël. Hein. Elle a le haut, j'ai le bas. On a essayé de rester dans les mêmes tons, un peu jaune, beige. Notre petit pyjama de Noël et du rouge. Et voilà, c'est parti, on va vous filmer ça. C'est un fail complètement. On n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à trouver l'ambiance qu'on veut. Même s'il y en a une qui monte sur le dos, en fait, t'as pas monté sur le dos, le truc qui fait ce que ouais. Là, on va essayer de descendre le sapin. 19h07, c'est critique. Oh merde, on va essayer de descendre le sapin, de le mettre au sol, de mettre les cadeaux à côté. Attends mon cœur, parce qu'il y a tous les cadeaux qui vont tomber. La plante, je ne donne pas mon feu non plus. Ah, vas-y, try. Oh, il est minus notre sapin, il est trop mignon. Bon, 19h20, ouais. On a plus ou moins ce qu'il nous faut. Oui, on va dire que ça aurait pu être pire. On n'avait pas assez de temps. Ouais, on s'est un peu pressé et puis on n'a pas... pas vraiment réfléchi à ce qu'on voulait avant. Bah, on savait exactement ce qu'on voulait, sauf que dans notre appart avec notre sapin, c'est impossible. On a un petit sapin, un petit appart, on a de grands projets. Exactement. Pas grave, on va faire avec ce qu'on a pour ce soir. Je veux des photos mignonnes. Voilà. Donc Jules va poster ça, moi je vais m'occuper de la soupe. Ouais, parce que bon, il faut qu'on mange. Et après, douche. Et on enlève tout ça. Exactement. Terminer les photos sur Instagram. En attendant, la soupe est faite. Il est 8h moins le quart, donc on va aller à la douche. Il était vide là. Ouais. Attention, il est tombé là. Je viens voir si tu fais pas trop de bêtises. Non. Ouais. Ce soir, petit porridge au pied du sapin avec ma femme. Oui, bah me jugez pas, ok? Ok, il est minuit. On a passé une petite soirée tranquille.
On a commencé le vlog. On a beaucoup parlé anglais. Oui. C'est vrai qu'on adore parler anglais entre nous. Ça nous permet de nous entraîner. Et puis, et après, on oublie de parler français. Oui. Ça fait bizarre. La journée était comme un dimanche. Voilà, plutôt tranquille. Finalement, on n'a pas fait de spa. On a... Bah, ça, on va faire demain. Mardi, on va manger chez tes parents. Il faut qu'on fasse nos valises. Ouais. On attend aussi de savoir si on va partir ou pas. Mmh. Donc, dans les prochains jours, il va se passer pas mal de choses. Ouais. Et puis, il reste que 3 vlogs. Donc, oui, il reste que 3 vlogs. Ouais, ça va aller vite. Donc, bientôt Noël. On vous en dira plus dans les prochains jours sur l'organisation de l'après. Mais quand est-ce qu'on arrête les vlogs de... En tout cas, on espère que celui-ci vous a plu. Ouais. Et on se retrouve demain. Bye bye. See you. Salut. Good night. Arrivederci. Good night. Hada. Hadebra.